Valiane. Je vais aménager mes maisons chez Valiane et vous allez voir comment je vais les aménager. Donc vous pourrez faire pareil avec vos maisons si vous en avez. Je vais vous présenter mes maisons chez Valiane. Il faut savoir que j'ai pas que des maisons, j'ai aussi des boutiques, des machins comme ça. J'ai la petite cabane dans l'arbre que j'adore. Parce qu'elle a une spécialité, on peut lui accrocher un toboggan qui est dans... Je vais arriver. Elle a un toboggan. Ensuite, on a cette maison... Non, ça c'est plutôt une boutique. On peut mettre sur les... En gros, on peut faire une tour avec d'autres magasins comme ça, qui s'accrochent et tout. Du coup, ça c'est le magasin de jouets. Là, vous pouvez voir. La deuxième maison. C'est aussi un magasin, c'est une piscine. Donc voilà, là il y a des petits trous de légumes, et là tu peux poser des affaires. Et j'adore cette petite boutique. Là on a une petite vitre, celle-là aussi elle se superpose. Ça c'est pas du tout une maison, ni un magasin, c'est un médecin. C'est la maison du médecin, j'ai oublié comment dire, le cabinet du médecin, voilà. Et je trouve un peu original parce que moi c'est la première maison que j'ai qui est arrondie, qui a les coins arrondis. Donc ça je trouve ça un peu rigolo. Donc je vais vous montrer la petite maison, le petit cottage, très petit et tout, mais on peut quand même meubler un peu. Du coup vous pouvez voir qu'on a mis de la tapisserie et tout sur les côtés. On n'a pas mis sur le sol, on a mis sur le côté, on a mis les rideaux et tout, que j'adore. Et elle est très belle. D'ailleurs, ma copine a la même. Ensuite, on passe à cette maison. Alors celle-là, elle a plein de choses. Regardez. Hop, ici, on peut ouvrir la fenêtre. Il y a aussi le toit qui s'enlève. Faites attention. Et là, elle a pareil, la fenêtre qui s'ouvre aussi. Sauf que celle-là, elle est un peu plus difficile à caler. Excusez-moi s'il y a du bruit, je fais ma vidéo en extérieur, donc c'est pour ça que là du monde derrière, du monde dehors. Du coup là je disais que il y a une petite véranda un peu, comme ça les bananes ils sortent par là. Et bien sûr du coup les portes elles s'ouvrent. Ici on a une porte d'entrée, là, qui s'ouvre comme ça, c'est logique. Et je crois qu'on en a une deuxième, ici là. Voilà. Et ce qui est sympa là, c'est que les enfants ils peuvent aller jouer comme ça tranquille. Voilà. Donc c'était tout pour celle-ci. Donc la maison la plus connue, je pense, c'est l'école. Même si c'est pas vraiment une maison, que c'est l'école de la forêt. Du coup là, on a un petit tableau qu'on peut mettre des craies, mais bon, nous on le fait pas, on laisse comme ça. On fait genre, mais là rien, on met pas de craies pour pas le saccager. Ensuite, ici, on peut faire un petit jardinage, tout pour les maternelles. Et puis, il y a cette petite tour en brun, en d'arbre, qui est assez haute. En gros, ici, on peut... Normalement, on a un petit télescope, je crois, un petit télescope, pour que les enfants puissent admirer le ciel, même si c'est mieux de la nuit. Hein. Donc ici, c'est là où ils rentrent. Et ça va ici. Hein? Alors celle-ci, c'est celle que je vais meubler aujourd'hui. Alors celle-là, du coup, elle a une petite cheminée, même si en ce moment il fait très chaud. Donc qui est reliée ici. Et c'est très pratique parce que regardez là, on peut mettre des piles. Elles servent à pouvoir allumer les lampes qui sont à l'intérieur, que je vais vous montrer après. Parce que celle-là, elle a plein de particularités. Par exemple, regardez. Ici, elle a une belle terrasse. Vous voyez la belle terrasse là, pour profiter du soleil, pour faire la petite bronzette, même si bon, c'est pas vraiment. Donc là, on a la petite porte qui s'ouvre, qui mène au jardin. Là, elle a un petit machin qui se met comme ça. Voilà, qui se bouge comme ça. Justement, les lampes dont je vous parlais. Donc voilà, les petites lampes que je parlais. Je vais voir si elles sont... Ah oui, c'est vrai, la pas de pile. Donc ici aussi, on a fait la tapisserie et on a mis les rideaux. Les fenêtres. Très sympa, celle-là. Petite porte d'entrée. Voilà. C'est parti, on va commencer à meubler sa maison. Donc allez, hop, c'est parti. Donc voilà. Alors,
Je vais commencer par la salle de bain. Alors, du coup, la salle de bain, ça sera cette pièce. Bah voilà, vous allez rire, mais j'ai trouvé le lavabo dans la baignoire. Là, comme ça. Alors, je place ma petite baignoire ici, là, et je vais placer mon petit lavabo ici. Maintenant, on va mettre les toilettes, les cabinets, qu'on utilise souvent. Petit cabinet qui s'ouvre. J'aime bien parce qu'on peut soulever la cuvette. Et enfin, on peut soulever ça et on peut soulever ça. Donc, c'est les toilettes de Sylvaniane, je sais. Oui, je sais. Voilà, je pose ici mes petites toilettes. Ensuite, je pose ceci. Et aussi, on va poser ça aussi parce que comme ça, on peut poser là parce que là, ça va être une grande famille. Du coup, s'il y en a un qui se lève, mais qu'en mettant, il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes, comme ça, il voit pas. Les accessoires qui vont dans la salle de bain. Alors, on va commencer par les petits tapis. Je mets mon premier petit tapis comme ceci, même si c'est celui des toilettes, c'est pas grave. Aïe, voilà. Ici. Ensuite, on enlève la seconde et je vais poser devant la baignoire comme ceci. Le savon. Et c'est tout. Et après, je les mets dedans. Voilà. Et puis maintenant, on peut le poser sur la baignoire. On peut mettre le papier toilette. Je vais le mettre à côté, moi. Mais vous pouvez mettre une table sur laquelle vous mettez le papier toilette aussi. Et puis, on peut enfin remettre le petit rideau. Voilà. Alors voilà, là il y a le petit miroir avec le pen qui est posé dessus et le petit tapis qui sert beaucoup parce que les enfants ont tendance à mettre de l'eau quand ils lavent les mains ou qu'ils se brossent les dents. Moi également. Ensuite à côté j'ai mis les toilettes avec le papier toilette par terre, le PQ. Ensuite nous avons la baignoire avec le petit robinet, tout ça. Et on peut voir également le petit machin où on met les petites affaires dedans, comme la brosse. Ensuite, maintenant, on passe à la chambre des parents. Je vais la mettre ici. Déjà, on met le lit. Je vais le déposer juste là, contre le mur. Donc, on met le petit matelas. Voilà, on met la petite couverture. Voilà, puis on met maintenant on met le coussin. Voilà, tout une choupi. La commode. Ah mais pourquoi j'ai plein de moustiques tout autour? Je mets ma petite commode juste là. Je pose. Voilà, maintenant je pose la petite lampe. Après on peut également mettre un petit livre avec là. Alors si vous entendez d'autres bruits derrière de petits pots, c'est rien, c'est juste les chiens qui mangent. Maintenant on va passer à un salon, voilà. Juste là. Alors, je vais faire mon canapé là. Le petit fauteuil ici. Et un ici. Là, on va mettre la petite cheminée. Juste là. Et là, le petit tapis en forme de cœur. Sur le salon. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer à la cuisine. Alors je vais mettre la petite cuisinière. Hop, 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 hop. Il tourne.
Donc, je disais qu'elle a les portes qui s'ouvrent. Ici, ça peut être un petit je sais pas quoi, et là, un gros four. Voilà. Donc, ça, c'est l'évier, où on peut poser des machins sur les côtés. Donc, on peut poser de la déco, quoi. Il y a également les portes qui s'ouvrent, ça qui s'ouvre aussi. Où dedans, on peut placer des trucs, genre les couvercles. Il y a ce plancher qui se transforme en plancher et qui se transforme en herbe. Voilà. Mais là, on va utiliser le plancher pour pouvoir placer la table. Juste ici. Donc, c'est parti pour la petite déco. Ça, c'est un petit gaufrier. C'est un petit gaufrier. Ici, on a des assiettes empilées. Une planche pour couper les machins, pour couper les aliments. Voilà. Du lait qu'on peut poser ici aussi. On a de l'huile ici. On va poser à côté du lit. Du lait. À l'intérieur des fours, on a aussi les machins pour mettre les aliments. Il manque le frigo, je sais. Mais c'est qu'on avait... On n'a toujours pas trouvé de cuisine qui avait un frigo. Mais quand on trouve, vous inquiétez pas, on va la commander. Je vais rajouter les chambres des filles et des garçons. C'est le cottage que je vous ai montré il y a quelques minutes. Donc, allez, on commence la chambre des filles. Voilà, ce petit lit rose. Donc, on va le poser ici. On va le poser là, voilà. Le lit des bébés. Alors là, je vais les mettre en hauteur. Je vais mettre les lits comme ça. Ah, je peux toujours pas le mettre là. Je les mets ici, alors de l'autre côté. Voilà. Le petit bureau. Juste là. Avec la chaise. Ensuite, on met la petite maison ici, là. On peut la mettre là, la petite maison. Voilà. Pour rajouter les doudous. Voilà, le petit nounours. On peut rajouter aussi des petits livres ici. Voilà. On peut rajouter un petit livre. Donc, je pense que c'est tout pour la chambre des filles. C'est déjà pas mal, hein. Donc maintenant, on va passer à la chambre des garçons. Alors la chambre des garçons, elle sera en bas, donc ici. Je pose le lit ici. Donc voilà, et celui-là, et je pose celui-ci. Je pose celui-ci ici. Non, on va plutôt faire comme ça. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Donc on met le matelas. Bon, j'ai pas vraiment de lit pour garçon, c'est pour ça que je mets un matelas rose parce que j'ai pas de lit pour garçon. Donc voilà. Et on met cette couette. Alors cette couette, n'essayez pas de la voir parce que en fait c'est nous qui l'avons créée, donc elle n'est pas sur le. Vous pouvez pas la trouver. À moins que vous la fassiez chez vous. Ensuite, on peut rajouter. On peut rajouter des jouets par terre. Hop. Des petits jouets par terre. Un petit bac comme ça où dedans on met des livres. La maison est terminée. J'ai installé les Sylvaniennes pour que vous voyez ce que ça fait un peu avec les Sylvaniennes. Alors nous voilà dans le salon. Où on peut voir que le bébé boit son biberon et en attendant le père fait ses petites surveilles, ses petites affaires en mettant de surveiller le bébé. Et on peut voir aussi que sur la cheminée il y a la petite tétine. Bon, ensuite on passe à la cuisine. Une cuisine un petit plat, de la purée avec des poissons. Pendant que les enfants jouent dans la chambre.
La petite fille joue avec sa petite maison de poupée pendant qu'elle en mettant de parler à sa petite sœur qui joue avec son petit doudou. En bas, le petit frère saute sur le lit en mettant que son grand frère joue avec une voiture et lui parle. Ceci va avec que je peux poser là, mais j'ai préféré ne pas le faire parce qu'à chaque fois il tombe et tout, c'est souvent, faut tout refaire. Du coup, je ne l'ai pas mis. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées de comment faire votre maison. Puis si vous avez les mêmes affaires et la même maison, bah vous pouvez refaire comme moi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai adorée. Je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Si vous avez envie que je refasse une vidéo dans ce genre avec une autre maison, ne mettez plein de pouces bleus, commentez, partagez. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, alors je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche. Bye bye.